Coucou les cupcakes, je vous reprends du coup, on est le... Samedi, mais quoi, samedi quoi? 29h30? Un truc comme ça. Il est 9h20, du coup j'ai mis un réveil à 9h, je me réveille tranquillement. Écoutez, j'ai cette partie-là toujours douloureuse. On verra bien ce matin. Je vais me lever et descendre, voir si mes enfants n'ont pas fait des bêtises, s'ils sont déjà levés, qu'ils n'ont pas revidé les placards de petit-déjeuner comme quand je me suis absentée chez chat. Voilà, du coup, écoutez, on va aller commencer cette super journée ensemble. J'ai pas mal de petits trucs à faire, je vous disais hier, vu que la foutille, une carte de vœux, j'ai pas mal de montage à rattraper. Donc là, je pense que je vais surtout aller me mettre sur le PC pour commencer mon montage, mettre les garçons avec leur petit-déj, et je vais me prendre un truc chaud, genre un café ou un chocolat. Un chocolat, je pense. Et écoutez, voilà, je vous emmène avec moi, c'est parti, avant de blablater trop, parce qu'après je me déteste au montage. Let's go, et on voit ensemble au fur et à mesure de la journée ce qu'on fait. Il est 10h15, j'ai été réveiller Lulu, je vais y retourner après, je pense vers 30 si elle n'a pas été bien réveillée. J'ai bien avancé, j'ai fini mon premier montage et là du coup je me suis grillé un petit pain au chocolat comme ça, c'est pas un chocolat éco plus et je trouve que griller c'est grave bon. Et là je suis sur Paint et tout parce que mine de rien, dans 3 jours, dans 2 jours en fait on est en août et j'ai pas fait mes vignatures pour les vlogs d'août et tout. Parce que du coup oui cette année je pense que je vais reprendre les vlogs d'août et refaire un vlog par jour. Sauf que là je me rends compte que bah, il faut que je poste en 2 jours du coup tous les rushs de ce que j'ai fait cette semaine quoi. Donc bah on va voir, let's go. Ce midi, je prépare une petite quiche du coup avec une pâte feuilletée, de la crème fraîche, des knackis, des œufs, du râpé et de la mozza. Voilà. Et sel et poivre, bien évidemment. Petite pause. J'ai fini pour le montage, donc je vais mettre en ligne. On a mangé ce midi. J'ai mis mes pois. Je sais pas si je vous avais montré. Je les trouve vraiment incroyables. Ils sont vraiment beaux, hein. Tout ce que mon papa déteste, chat déteste aussi. Je pense que ma mère, elle va trouver ça immonde aussi. Mais moi, je trouve ça vraiment trop mime, je sais pas. Et en plus de ça, vous savez même pas à quel point c'est hyper confortable d'avoir des pois comme ça plutôt que le lobe stretché en permanence. Bref. Mais je parle de mes plugs d'oreilles. Ah, je crois que tu me parlais, je t'entends pas, cher. Elle est au chiotte, elle me dit pourquoi tu me parles. Mais non, je te parle pas en fait, je parle aux cupcakes. Du coup, j'ai des petites ultra gold ce midi, cet après-midi. Voilà, faut vraiment que je fasse une petite carte pour mon papou. Peut-être lui faire une carte avec papa Pig. Je vais faire une carte avec papa Pig. Et du coup, on a mis du linge de couleur à sécher. Je fais tourner ma machine de blanc. Du coup, sœur, là, je viens de téléphoner. Elle a rendez-vous. Enfin, rendez-vous entre rendez-vous, donc pas d'heure. Mais là, elle va au garage pour enfin faire changer ses pneus tout Vu qu'elle a ses nouveaux pneus, elle peut aller les faire changer. Ça y est, on a enfin réussi à avoir le rendez-vous. Donc ça, c'est fait, je suis super contente. En plus, on a un rendez-vous parce qu'on a trouvé un garage grâce à Chat et à ses collègues qui nous ont dit « Allez là-bas, ils prennent super facilement et tout. » Donc on est très contente. Donc la sœur, elle va y aller, mais moi, je veux rester là avec les enfants plutôt que d'aller avec elle avec les enfants. Donc elle va passer chercher Chat. Putain, c'est super dur comme phrase. Hein. Passer chercher Chat, c'est chiant. Passer chercher Chat. Voilà. C'est chouche. Du coup, elle va aller le chercher et comme ça, bah, vu que c'est pas loin de chez lui, il va l'accompagner et comme ça, elle sera pas tout seule pour les pneus. Ah, tu seras pas tout seule pour les pneus depuis 10 heures. Pardon. Enfin, voilà. Écoutez. Et du coup, vous avez vu là, notre petit tapis pépeux, comment ça fait trop mimes. C'est trop mimes. Ridicule et mimes à la fois. J'adore. Je vous reprends, il est 14h28, je vais aller prendre une douche. Sœur, du coup, est partie chercher Chat et s'occuper de ses pneus, tout ça avec lui. Les enfants sont en train de dessiner, je vais prendre ma douche et ensuite je vais aller faire ma carte d'anniversaire pour mon papou. Et du coup je vais vous montrer parce qu'en fait j'ai pré-dessiné, je vais faire un Papa Pig. Je sais que mon père n'est pas fan de Peppa Pig mais moi j'adore Peppa Pig et je trouve ça super drôle. Donc voilà, bref j'enlève mes petits pois en verre et on va aller prendre une bonne petite douche, tranquille au milieu. Bon lavage de cheveux je pense aussi. Ah j'ai fait mes cheveux je crois. Je ne sais plus. Voilà voilà. Du coup, j'ai mis ce jean là, c'est un Levi's si je dis pas de bêtises. Oui, ce jean Levi's là que Maëva m'a donné.
Du coup, il est un peu grand, mais j'aime bien l'effet loose, mais j'ai pas de ceinture qui va avec. On voit mon petit bidoutou, vous savez quoi, je m'en bats les couilles. J'ai ce petit t-shirt que je trouve très mignon, malgré l'écriture dessus, voilà. Je trouvais très rigolo, donc voilà, je trouve qu'il y a une vibe très années 2000, très... j'ai envie de mettre des grosses vans, faire du skate, genre avec Avril Lavigne, you know. Mais là, du coup, je vais aller me maquiller un petit peu, je pense juste faire un liner et tout. Mais voilà, let's go. Et je finirai mon Papa Pig après. Les petites cartes qu'on a faites, donc celle-ci c'est celle que moi j'ai fait pour mon père avec Papa Pig. Ensuite on a celle de Thésée pour mon papa, celle d'Orphée pour mon papa parce que du coup ça va être l'anniversaire de mon papa. Et du coup Thésée en a fait également une pour sa petite Mamidou, donc ma belle-maman. Et Orphée est en train d'en faire une aussi. Et du coup ma belle-maman adore les chats, donc du coup on a fait un petit chat vraiment trop mims. Et Orphée est en train d'en faire un aussi. Et du coup je vous reprends, il est 17h30, j'avais remis mes lunettes pour aider les enfants à faire tout ça. Faut que je fasse mon clafoutis, mais j'ai tellement peur de le rater que j'ose pas le faire parce que le four il fait des dingueries. Et du coup bah Lulu est rentrée, ses pneus sont tout beaux, tout neufs. Chat est là bien évidemment du coup vu qu'elle a été avec lui. Et voilà voilà. Et là du coup je pense que je vais me boire une bière sans alcool comme ça là. Une Desperados Fresh Berry. C'est Quentin qui nous a ramené ça, c'est super bon. Je pense que s'il les faisait avec de l'alcool, elle se vendrait super bien. En tout cas ce serait plus des bières sans alcool, mais le goût est excellent. Vous pensez? Je vous ai pas montré un peu comment j'ai rangé tout ça là. Regardez, il y a le calendrier. On a des petites citations, là on a des photos des enfants, des photos de moi et les enfants encore. Ça c'est mon papa quand il était petit. Il y a le petit monsieur Larbin que j'adore, des petits mots de ma maman, un petit mot de mon papou. Des petits coloriages et dessins des enfants. Et le petit dessin que j'ai reçu comme ça de June. Voilà, regardez comme c'est trop mims. J'adore mon frigo qui est en bordel mais que je trouve trop beau. Du coup là on est en pleine préparation du clafoutis avec Zézé assistant. Je vais essayer de faire des paninis mais j'ai mis dans l'appareil à gaufres mais avec des petits bonhommes, vous voyez. Oh my god, j'ai mis trop de fromage je crois. Oh là là, oh non. Coucou les cupcakes, je vous prends, on est le dimanche 30 juillet, il est 8h45, je suis make-upée, outfitée, prête pour aller chez mon papa. Les garçons également ont une petite tenue trop mime, souvent ils sont dans le canapé. Sœur est prête aussi, là il me reste plus qu'à mettre 2-3 trucs dans mon sac, etc. Et je vous emmène avec moi pour cette nouvelle journée, c'est parti.
Coucou Léo. Coucou toi. On est enfin rentré, bon depuis au moins 10 minutes, mais on est claqué parce qu'on a fait les tours et les détours. Petit yum yum, sauce beurre de cacahuète, voilà. J'ai enfilé une nuisette vite fait. Je vais manger ça, me démaquiller, me doucher et mettre au dodo. Ouais. Ah, pardon, avec ça on n'en pouvait plus, fatigué de la route de merde. Je reprends, il est 15h30, je suis dans le canapé, du coup je suis à côté de Nini. Voilà, sœur et chat sont partis au Carrefour faire une petite course. Avec vous tous, j'ai pas beaucoup vlogué ce matin. Je me suis levée à 9h30, je me suis recouchée parce que j'avais trop mal au crâne et tout, j'avais la nausée et tout. Pas ouf. J'ai bu un petit cappuccino ce matin, j'ai mangé un petit pain au chocolat et après en collation, j'ai repris quelques petits biscuits que sœur elle avait fait en forme de petits dinosaures. Et ce midi, j'ai mangé mon reste de yum yum d'hier soir avec un peu de sauce peanut que j'avais fait. Et deux œufs durs que je vais ramener chez mon papa, du coup, parce qu'il nous a donné des crudités et des œufs durs et tout. Et du coup, j'étais contente. Voilà. Ensuite, là, j'ai regardé un petit peu Catfish à la télé. J'ai aussi regardé une vidéo YouTube d'Océane que j'aime trop. Et voilà, voilà, j'ai pas fait grand chose. Les garçons sont dans leur chambre puisqu'ils ont pas arrêté de faire des sottises. Donc, du coup, ils sont. Consigné dans la chambre entre guillemets, j'ai envie d'aller jouer dans la chambre, de se reposer, de se calmer parce que j'en avais un petit peu marre de tout et n'importe quoi, hein, clairement. Et moi là du coup je pense que je vais regarder peut-être Two Broke Girls un petit peu et j'attends le retour du coup de Chat et Lulu pour boire ma Monster parce que je voulais une Monster normale et manger un petit biscuit ou deux, voilà. Je vous reprends, il est 18h30. Je vais donc. Oula, j'ai la tête qui tombe. Lancer la cuisson, enfin la cuisson, l'eau bouillante pour faire cuire du coup des spaghettis pour ce soir. Et avec, on a acheté une sauce comme ça, courgette grillée et chèvre. On l'a toujours pas goûté donc on s'est dit bah pourquoi pas essayer ça. Et il nous reste du coup pas mal de crudités de mon papa pour faire les entrées ce soir également. On a fait des concombres à la crème. J'ai la tête qui tourne. Et juste en regardant la date comme ça, je me suis rendu compte que. What the fuck, mais demain c'est le mois d'août, demain je commence à poster des vidéos normalement tous les jours, sauf que, la semaine où je vais aller chez ma mère, je pense que je vais pas pouvoir poster parce que du coup j'ai plus de PC portable, donc je suis pas sûre de pouvoir faire le montage, je verrai avec elle si elle, je peux sur son PC ou pas, s'il y a le logiciel et tout, sinon je ne sais pas, voilà on verra, je vais essayer de m'organiser, peut-être voir avec ma soeur si sur son PC c'est faisable, je lui demanderai, mais je ne sais pas non plus, mais sinon bah, il y aura juste cette semaine là que vous aurez pas de vlog pendant une semaine et juste la semaine d'après. Mais on va essayer de refaire ça quand même parce que j'aime bien. Et voilà. Écoutez, je vais faire chauffer l'eau.